Yo les Poképotes, ici Pokédigger, on se retrouve en 2023 pour une nouvelle vidéo, enfin. Je vous souhaite une bonne année à tous, meilleurs vœux, que du bonheur et de la réussite dans votre vie évidemment. Aujourd'hui on va ouvrir Vistar Universe que j'ai enfin fini par avoir. Les stocks étaient en rupture, étaient tout le temps en rupture en fait. Et là j'ai réussi à mettre la main dessus, ils sont arrivés il y a 2 jours je crois. Du coup on va s'ouvrir ça, c'est un peu le graal de cette fin d'année Pokémon, où il y a des cartes de malade mental, du coup on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc voilà la fameuse box avec 10 boosters à l'intérieur, et il me semble que c'est des boosters de 10 cartes, donc voilà. Magnifique box. On va commencer avec le premier booster. Hop. Je sais pas s'il y a un pack trick, donc on va faire comme ça pour l'instant. Il y a une nouvelle rareté qui est arrivée avec, avec ces nouveaux boosters, c'est les art rares et les spécial art rares, qui sont deux magnifiques cartes que j'espère qu'on pourra tirer dans cette vidéo. Ouh, on commence avec un Rayquaza VMAX. Et après on a un Arcanin holographique. Un Archéodong holographique. Et une reverse. Bidouf! J'ai précommandé les displays de violet écarlate qui sont déjà dispo au Japon, donc ça devrait pas tarder à arriver aussi. Ici dans ce set on a énormément de dingueries, normalement Ouh, une première art rare, donc vous voyez juste là, art rare, c'est un peu comme les trainer galeries. Et du coup là on est sur un Voltorb 18, très jolie carte, j'adore qu'il fasse des belles cartes comme ça, même pour des petits Pokémon. Ouh là 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 là, alors là on va s'arrêter un petit peu, c'était une carte que je voulais absolument. C'est une spéciale art rare du coup de Raikou, mon chien légendaire préféré de Johto. Quelle carte! Oh là 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 là. Et on a encore des trucs derrière. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, entraîneur holographique. Oh, métamorphe, jolie carte. Ok, donc deux boosters et déjà des dingueries, donc voilà, je sais pas, je crois que les ratios, c'est, j'imagine que ça doit être une spéciale art rare dans chaque box, mais il y a d'autres secrets, donc voilà, on peut encore tirer des trucs intéressants. Je crois que je vais pas faire de pack trick parce que ça a l'air de dépendre de quel genre de pack on tombe, donc voilà, on va y aller comme ça pour l'instant. Regidrago. Ouh, d'accord, un Castorno. Ou non, c'est peut-être Bibarel du coup, parce que c'est lui sur la photo. Ok. Ok, ok. Il y a encore un truc derrière, j'ai spoilé, putain. Du coup, là, on a un Karchakrok. C'est des rééditions, ça, et le Rayquaza, c'est des rééditions qui sont déjà sorties. Et là, on a une Secret Art Rare encore. Avec beaucoup de trainers dessus, ça me parle pas trop. Comme ça. Peut-être un gars de Légende Arceus.
Ok. Donc déjà deux Secret Art rares. Donc voilà, je vous avais prévenu, trois boosters, je vous avais prévenu, cette box, c'est littéralement le graal de ce qu'on peut faire en termes de cartes Pokémon, le pull rate est littéralement incroyable. On peut aussi tirer, je l'espère, un jour, un God Pack. Donc voilà. Regice. Voltorb, Issui. Celerock. Oh, Regi Eleki. Beaucoup de Regi. Oh, du coup là on a un Zeraora V-Star. Plutôt joli. Ensuite, une holo. Et un Regi Gigas. Holo aussi. Beaucoup de Regi dans ce pack. Ah, pardon, il y en a encore une derrière. Oh! Une énergie reverse, regardez-moi ça. Oh lolo lolo lolo, la dinguerie. Oh, j'aurais aimé en avoir une centaine et pouvoir les ouvrir comme ça là. Oh là là, c'est un vrai plaisir. Si jamais vous avez moyen de mettre la main dessus, vraiment je vous conseille parce que c'est un pur plaisir d'ouvrir des cartes d'une beauté pareille. Alors, un Solourdeau, Archeomy, Fantominus, double énergie, des dresseurs, un marais. Ouh là 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 là! Regardez-moi cette carte! Mew Art Rare. Oh là 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 là! Mes amis. Je veux ouvrir ça tous les jours. Zeraora V pour aller avec notre Zeraora V-Star. Une holo. Et... Oh non! Non! Le Draco fera Dieu. La Shiny dans le premier pack comme ça. Oh là 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 là, quelle box! Mais quelle box! J'ai regardé quelques vidéos de mes amis youtubeurs qui ouvraient aussi ces box. Je me rappelais pas que c'était aussi dingue, putain! Ouf. Comment on peut tirer autant de choses, même sur Vimax, Climax ou d'autres sets comme ça? Je me souviens pas que c'était aussi garni, quoi. Plein de dingueries. Et des câbles. Roublenard. Altaria. Mademoiselle. Une paire de chaussures. Ok. J'ai oublié ton nom en français. Weird Ear. V. Ils sont jolis, putain. Muplodocus. Issui. Un mec vénère et une reverse, ok. Et c'est dingue, on dirait chaque pack est presque un god pack, quoi. C'est n'importe quoi. Je pense qu'à l'avenir, si j'arrive à en retrouver, définitivement en ouvrir plus, franchement, c'est un pur bonheur. C'est exactement ce que j'aime. Vous me rappelez que Vimax Climax, j'en avais ouvert déjà un bon paquet de displays, donc on part sur les mêmes bases avec ce set incroyable. Dialga Forme Origine V-Star. Ça ne s'arrête jamais, les amis. Ça ne s'arrête jamais. Un Zorwark holographique, un Magnézone holographique et un petit renard en reverse.
C'est vraiment le genre de set que t'as envie d'ouvrir jusqu'à ce que tu chopes toutes les cartes. T'as jamais envie de t'arrêter d'ouvrir en fait, tellement c'est incroyable. Bon, après, au bout d'un moment, quand tu fais 5 doublons sur la même carte, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Mais il y a de toutes les raretés et c'est juste incroyable. Skelenox, Tortipousse, Spiritombe, Hyperball en mode dessin d'enfant un peu, c'est marrant. Un NTV, ok. Castorno, Lucario et une simple reverse. Bon, je crois que c'est l'avant-dernier pack. Paraît un peu costaud. Rayon pour un God Pack. J'ai jamais eu de God Pack. En même temps, j'ai pas fait un nombre incroyable d'ouvertures, à part peut-être sur VMAX Climax, mais ça serait bien que ça commence aujourd'hui. Et non, ça sera pas celui-ci. Zorwa, Latias, Regirock. Une machine chelou. Ok. Arceus Vestar qu'on avait eu dans une autre édition aussi, dans un autre set. Oh, joli Mew Holo. Ressemble à celui de Célébration. Keldeo. Et Reverse Oricorio. C'est notre dernier pack, les amis. Je suis triste. Extrêmement triste, cette ouverture s'est passée à 1000 à l'heure, tellement il y a eu d'émotions. On a pris quelques petites claques visuelles quand même, hein. Je sais pas pour vous, mais en tout cas en personne, ces cartes sont extraordinaires. Maganon, Electek, Regice, Graina. Genesect V. Ok. Articodin de Galar. Oh, Elector de Galar. Et ça sera un Manaphy Reverse pour terminer cette ouverture. Ok, petit récap comme d'habitude, vous connaissez. Du coup, on a eu cette magnifique énergie O qui était à la place de la Reverse. Très belle carte. Ensuite, on a eu un Weirdeer, un Karchakrok, un NT, un Zeraora et un Genesect pour les V. Ensuite, on a eu un Rayquaza VMAX, Arceus V-Star, Zeraora V-Star et Dialga V-Star. Et pour les art rare et spécial art rare, on a eu un Voltorb Dissui. On va s'attarder un peu plus sur ces cartes parce qu'elles sont incroyables, vraiment incroyables. Voilà pour Voltorb. Ensuite, on a eu Kenotor, voilà, magnifique carte aussi. Pas forcément les deux que je voulais, celle-ci, mais bon, elles sont très 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 jolies. Ensuite, on a la Mew, donc ça peut-être plus une des cartes que je voulais tirer. Cette carte Mew, incroyable, avec tous les Pokémon à côté. Très 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 belle carte. Ensuite, on a une spéciale art rare avec des dresseurs que je ne connais pas forcément. Malgré que celui-là me dit quelque chose, je crois que ça vient de Légende Arceus. Donc voilà pour cette spéciale art rare, pas forcément non plus ce que je voulais. Mais ensuite, on a cette magnifique carte Raikou. Raikou, voilà, en train de sprinter. Oh là 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 là. C'est incroyable, je vous jure. En personne, ces cartes sont
folle de chez folle. Et derrière, on a une petite carte aussi. Drac au feu, radieux. Donc voilà, les cartes radieuses qui sont encore dans les packs. J'avais complètement oublié aussi. Du coup, voilà, beaucoup de raretés différentes et beaucoup, beaucoup de belles cartes. Et voilà, mes amis, ça sera tout pour cette ouverture. C'est déjà pas mal. On a eu beaucoup d'émotions, des cartes incroyables. Je vais ouvrir les box restantes dans des prochaines vidéos. Donc, restez connectés et on se retrouve bientôt. Ciao les Poképoites!